Ces deux dealers, ils se font arrêter pour la première fois. C'est la première fois qu'ils sont au jugement. Et donc, le juge, il leur propose un marché. Il leur dit, voilà, messieurs, je vais vous laisser une semaine. Si vous arrivez à faire arrêter la drogue à des gens, je ne vous mettrai pas en prison. Ça marche. La semaine passe, il retourne au jugement. Le premier, il passe et le juge, il lui dit, alors, en une semaine, combien vous avez réussi à faire arrêter la drogue à des gens? Et le premier, il dit 15 personnes. Mais c'est pas mal, ça, 15 personnes. Il dit, c'est bien. Et alors, comment vous avez fait? Il dit, bah, j'ai fait la technique des deux cercles. Ça veut dire que je leur ai dessiné deux cercles, un grand et un petit. Et je leur ai dit, le grand, c'est ton cerveau avant la drogue. Et le petit, c'est ton cerveau après la drogue. Et ça a marché, ça a marché. Bravo, vous irez pas en prison. Le deuxième, il passe. Combien vous avez réussi à faire arrêter deux gens la drogue? Le deuxième, il dit 450. 450? Parce que là, je joue l'exclamation. mais tu ris, mais j'interprète. 450? Il dit, putain, mais c'est étonnant et tout. Alors, et vous, comment vous avez fait? Il dit, bah, moi aussi, j'ai appliqué la règle des deux cercles. Mais en fait, je l'ai fait à l'inverse. J'ai commencé par le petit en leur disant, tu vois ça, c'est ton trou de balle avant la prison.